Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Visio. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à ranger vos formes favorites dans un gabarit. Donc, on va commencer déjà par créer notre nouveau gabarit. Je vais aller dans Autre forme et je vais faire Nouveau gabarit. Voilà, et ici maintenant, vous voyez que j'ai mon gabarit 2. Un clic droit avec la souris. Et je peux faire propriété. Et ainsi, je vais pouvoir lui changer son nom de gabarit 2 à forme favorite. Je peux mettre un sujet, mes formes favorites, par exemple, un auteur, un responsable, une société. Une langue, une catégorie, balise, commentaire, etc. etc. Une fois que j'ai terminé, je peux valider. Les deux autres onglets général, comme vous pouvez voir, n'a pas beaucoup de signification pour l'instant, ni le contenu. Donc je fais OK. Et vous voyez que maintenant, j'ai mes formes favorites. Reste à insérer maintenant et déposer des formes ici. Donc, si par exemple j'utilise régulièrement des formes comme en électricité, les symboles de maintenance, et que j'utilise aussi régulièrement en ingénierie mécanique, transmission hydraulique et pneumatique et équipement. Voilà. Et bien, si je veux aller les déposer dans mes formes favorites, je vais prendre par exemple un actionnaire rotatif. Je maintiens la souris. Je vais dans mes formes favorites et je le fais glisser. Voilà. Deux solutions. Soit je le dépose dans les formes rapides, soit je peux le déposer dans les formes classiques. Donc, ici, je vais le déposer dans les formes rapides. Voilà. Maintenant, j'ai ici ma forme qui est dans mes favoris. Si je prends maintenant un symbole maintenance avec un interrupteur, je refais pareil, favori, et je vais le mettre dans le classique. Et du coup, maintenant, par un glisser, je peux sans problème utiliser mes formes. Autre possibilité aussi, si par exemple je prends une forme libre et que, voilà, imaginons, voilà la forme, je reviens en outil pointeur, voici une forme, imaginons que j'ai créée et que j'ai besoin pour différents diagrammes, il m'est possible de la prendre, de la sélectionner et d'aller la mettre dans mes formes favorites. Et ainsi, je peux maintenant la réutiliser comme je fais d'habitude, autant de fois que je le désire. Maintenant que j'ai créé mon gabarit forme favorite, je dois l'enregistrer. Donc là, toujours un clic droit. Enregistrer. Je me retrouve dans mes documents, mes formes. Et là, de préférence, je ne modifie pas pour éviter de perdre l'endroit où je mets mes gabarits ou qu'il y ait des problèmes de conflit. Donc, je laisse ici, je laisse sur type gabarit visio et je lui donne un nom, forme favorite. Et je clique sur enregistrer. Et je n'ai plus le petit symbole, comme vous avez pu le constater, de la disquette, vu qu'il a été enregistré. Je peux maintenant voir l'affichage sous forme d'icône, nom sous les icônes, icône seulement, nom seulement, icône et détails, des commandes, réinitialiser, fenêtre explorateur de dessin, fenêtre flottante ou fermée.
Voilà, maintenant vous savez comment créer votre propre gabarit, ajouter des formes d'autres gabarits, de rajouter des formes créées par vous et de l'enregistrer. Je vous remercie pour avoir suivi cette leçon de visio et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur visio.